Yo! C'est génial! Bonjour à vous, bienvenue pour une vidéo. On est dans le nouveau mode de jeu. On va tester un petit peu comment ça se passe. Je suis en comblé, donc je suis avec des gens qui n'ont pas de micro apparemment. Ils veulent aller à Lazy Links. C'est pas une mauvaise idée, j'y suis jamais allé, je crois. Ou une fois. Pas une mauvaise idée ça. J'ai envie de tester le grappin, j'ai envie de tester pas mal de choses. Je ne récupère la fibre que bientôt. Du coup là je suis pas chez moi. Et du coup voilà, je tourne cette vidéo. Mais donc les lives reprendront dès que j'ai la fibre, c'est à dire vers le 15. En attendant on va essayer de réussir cette game, de faire du beau jeu. Et je vous tiens au courant de toute façon sur Twitter et sur Discord ou un peu partout quoi. D'ailleurs j'ai mis un petit tweet ce matin pour vous parler de mes activités sans internet. C'est génial, vous allez voir ça. Alors, une petite arme sympathique, ça me va, corps à corps, de loin, l'arme est très très bien. Apparemment l'AK a été un petit peu up, enfin, j'ai entendu ça, maintenant j'ai pas vu concrètement le up de l'AK. Je crois que ça tire plus vite, hein. Je suis pas convaincu, mais il me semble que la cadence de tir a été légèrement augmentée. Donc, je me suis sauvé tranquillement. Je vais suivre les collègues, je sais pas où est-ce qu'ils veulent aller. Tomato pour le moment. Peut-être aller récupérer quelques personnes de ce côté-ci. Il y a le lama qui est au bout, les autres ont été récupérés. Ils veulent aller directement. Ouais, ok, directement à une sortie pour interrompre des adversaires. Pourquoi pas? Allons-y. Ok, petit fight devant, ça a l'air de bien se passer. On voit que le bus est tranquillement ici. Ça va, ça se passe pas trop mal, il y a quoi? Ah, il y avait un truc intéressant. Je pense que je vais prendre une AK, une AR plutôt. Je trouve ça toujours beaucoup plus fort. Beaucoup trop polyvalente pour ne pas la utiliser. Et ils sont un peu tous morts et on vient de récupérer un lama. Ok, super. Bon bah vas-y hein, les gars, je vous suis, moi j'ai le grappin, j'ai tout ce qu'il faut, j'en ai 5. J'ai bien envie de tester ça. C'est quand même le nouvel item. Oh putain, c'est génial. Putain, c'est le feu cet item. Et du coup, en gros, là, on pourrait déjà fuir avec le butin, c'est ça? Et on aurait gagné. C'est un truc comme ça, il me semble. Ça n'a pas grand intérêt, hein, ce mode de jeu. Genre... Si c'est juste récupérer un butin, sachant qu'il y en a 3 sur la map, et se barrer... Waouh! On est sur un mode de jeu très pertinent! Qu'est-ce que c'est que ce mode nul? Ah ouais! Retour au salon. Ah ouais, d'accord. Bon, on est reparti, hein. Moi, je veux tester le nouvel item plus que ce mode de jeu en fait, grande cavale qui est bien naze. Bon et eh bien let's go, je vais aller à Tilted Tower tranquillement. Hop, arrivé dans la tour. Oh. Alors il y a un truc que j'ai envie de faire mais je sens que je vais me louper. J'ai quand même envie de le tester, vous êtes prêts? Ah, j'ai envie de le tester, vas-y. Je me mets sur le côté. Mais bien sûr que ça marche. Putain, c'est le feu. Ok, je me suis très mal joué, très mal visé. En même temps, je suis perturbé là. C'est pas. Fait longtemps que j'ai pas joué. Hop. Tac. Allez, je vais me remettre full. Oh, quoique, même pas besoin. On va garder ça pour après. Je pense qu'on va prendre plus de dégâts qu'il n'en faut. Voilà la preuve. On va se remettre full. Aïe. Oh putain, j'ai bien fait de le garder. Hein. Bien fait de garder ce kit de soin. On va aller chercher le fusil à pompe que je vois au fond. Fusil à pompe bleu. 34 dans la tête, on est très content, un petit 33. Ouais, très heureux hein, de ce genre de points de dégâts. Il est juste de là hein. Ouais, il était juste là, effectivement. Nice, allez, vas-y. Merde, il est là. Attends. Yo. C'est génial. Et encore, j'aurais pu tirer plus tôt. J'aurais pu tenter un coup dans les airs, mais j'ai pas été très réactif.
Ouah, c'est le feu. Il y a un joueur en bas, je vais y aller. Ah merde, dommage, je me suis pris l'arbre. Nice. En plus c'est entre les deux qu'il a mis des pièges, donc tout va bien. Hop là. Putain, c'est le feu en vrai. En vrai, c'est vraiment un très très bon ajout. Je sais pas jusqu'où est-ce qu'on peut aller, faudrait qu'on fasse un test. Mais c'est le feu. Vas-y, toc, je vais prendre ça. Je vais prendre ça, je pense. Non, parce que ça c'est trop fort. Presque obligatoire d'avoir une PM dans son inventaire. Il y a un mec là-bas. Il y a un petit 33. Oh bah oui, mais bien sûr. Ah oh, le feu. Le feu, une Thompson, bien meilleur, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On peut prendre le fusil à pompe qui est ici en fait. Parce que je me suis rendu compte qu'il était pas si mal que ça. Surtout avec ce qu'on a là, on va pouvoir se rapprocher assez vite. Je vais garder un setup comme ça pour le moment. Je vais essayer de trouver du bouclier, ce serait quand même pas mal. On va pas prendre de sniper, on a besoin de notre AR. De loin c'est un peu indispensable, surtout que de toute façon notre jeu va pas être un jeu de loin, puisqu'on doit tester ces petites merveilles. Ah merde, on prend des dégâts de chute, ça je savais pas. Je saurais. Il y en a un en bas. Ok, c'est l'avantage hein, de ce fusil à pompe, c'est que ça tire très très vite. Ah, ça va être en dessous. Ça tire très très vite. Enfin, en tout cas, on peut mettre deux balles de pompe au lieu d'une contre un adversaire. Et ensuite, on a juste à switcher sur une Thompson ou autre. Du coup, faut jouer très corps à corps. Mais ça fonctionne très très bien. Il est plus haut, il est là. Tu m'as pas, cherche pas. Voilà. Ouais, mais j'ai qu'un. Faut pas que je prenne mon pompe en me disant que j'ai un pompe chasseur, parce que c'est pas du tout le cas. Il faut que je recharge là. Tac. Je suis pas habitué avec ce pompe. Je l'ai pris parce que je sais qu'il est fort, mais je suis pas habitué avec. Ouais, ça se met pas instant maintenant les potions. Alors où est le coffre? Est-ce qu'il est là? Ouais, il est là. Ou est-ce qu'il est en dessous? Il est ici. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, cool, on est à combien? On est à 6 kills, on a commencé à tilted, ça fait du plaisir. Ça fait plaisir. En plus là on a un pompe légendaire qu'on va recharger. On va se remettre à 100 PV, c'est parfait. Eh ben on est plutôt bien, on a quoi en piège? Ok, tremplin. Toujours 8 bumps, on va essayer de faire un petit kill avec cette merveille là. Je vais essayer de faire un kill avec cette merveille. Alors il y en a un là-dedans. Qui est ici. Ah, du 9 de dégâts, c'est peut-être pas la meilleure idée hein. Yo. J'avais quand même envie de lui sauter dessus, même si c'est pas rentable et que ça me fait perdre un peu de PV. Après ça va, il avait des mini-shields, donc c'est pas dramatique. Hop, on va recharger ça. J'avais envie de lui tomber dessus. Pas trop envie de full tryhard, en mode full construction et tout. Bien envie de faire des petits kills fun là. Surtout avec cet item que je peux toujours pas utiliser. Il reste 19 personnes. Le mieux en plus c'est d'utiliser à tilted, parce qu'il y a des grandes verticalités et ça c'est cool. J'aimerais bien rester à tilted et qu'il y ait du monde qui vienne, mais je pense que là, avec la zone, on va devoir bouger. Et à mon avis, on va pas croiser grand monde. Ah, c'est dommage. Ah, c'est bien dommage. Ah, oh, non, tiens, il y en a un là. Super. Alors, est-ce qu'on peut aller jusque là-bas? Non. Ouh, je prends trop de dégâts de chute en plus en faisant ça. Je pensais que je pouvais y aller, mais pas du tout. Il y a une distance max. Je vais quand même récupérer mes PV du coup.
Un minimum. Voilà, un minimum de PV. Et là, on va pouvoir utiliser notre, notre grappin. Ok. Est-ce qu'on peut, genre... Ouais, mais c'est dangereux. Parce que du coup, on prend les dégâts de chute. Faut clairement que... Que je m'habitue à ça. Non. Ok. Pourquoi j'ai pris des dégâts? Je suis pas tombé de si haut que ça. On va prendre les deux soins ici. Je vais récupérer ceci de préférence. Je vais prendre un pompe chasseur. Je suis plus à l'aise. 1000 fois plus à l'aise avec un pompe chasseur. En début de game, à la limite, le double pompe, pourquoi pas. Mais je suis 1000 fois plus à l'aise avec un pompe chasseur. Et on va essayer de le faire tomber, tiens. Il est là. Loupé. Hop, non. Non. Vas-y, on va le jouer parce que depuis tout à l'heure, je me dis que tout va bien se passer, mais pas forcément vrai. Oups. Oh, on le récupère. Oh nice. Je savais pas, bah c'est cool. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser. J'avais zappé. Faudrait qu'ils mettent quand même pas de dégâts de chute avec ce truc là. Enfin, ça serait vraiment cheaté pour le coup. Parce que l'intérêt c'est de les utiliser au fur et à mesure pour pouvoir faire un peu Spider-Man. Le jeu qui vient de sortir en plus. Je sais pas, je pense que c'est stratégique. Hein, on est d'accord, ils ont sorti le grappin au moment de la sortie du jeu Spider-Man, du nouveau Spider-Man. Je pense que c'est stratégique et que c'était complètement voulu. Donc ouais, je pense que Epic Games sont bons côté marketing. Oh, ça c'est trop bien. Je pense que je vais même prendre une potion supplémentaire pour me remettre vraiment full. En tout cas full au mieux que je peux, que je puisse. Alors j'ai entendu un adversaire de ce côté-ci, même si c'est à l'opposé de là où on doit aller. On va quand même s'y diriger, j'ai envie de voir si je peux pas le choper. Où est-ce que je l'ai entendu? Ça me paraît de plus en plus bizarre là, je le vois pas du tout. Étrange. Bon, on va retourner vers la zone du coup. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un tremplin, on peut toujours utiliser ça. Je vais vite fait checker si là... Il n'y a pas un peu de monde, j'ai pas tant que ça de build au final, j'ai 1000. Pas énorme, c'est bien mais c'est pas énorme. Bon, et bah allons-y. Hop là. Allons nous placer dans la zone, pas besoin de faire une technique... Hop, avec un boons en plus. Et non mec, je vais recharger tant qu'on a un peu le temps. Oh la vache. Ce que je viens de prendre. Oh, ce que j'ai pris, c'était même pas de lui et j'ai une idée là. Oh, c'est pas mal pour récupérer un peu la hauteur et tout. J'aime bien l'idée.
Modifie, fais un truc. Si je pouvais juste le... genre bien viser. Oh non, j'ai été naze. Ah, j'ai été trop naze. Je suis désolé de vous proposer ce gameplay. Je crois que je suis devenu pas si bon que ça. J'ai trop perdu en fait. Va falloir qu'on s'y remette vraiment. D'ailleurs, bah justement, on aura l'occasion de s'y remettre puisque je vais réellement me remettre à jouer au stream, etc. Notamment sur Fortnite, mais aussi sur d'autres jeux, puisqu'on va faire un 24 heures quand je vais rentrer, quand je vais emménager dans mon nouvel appart. Ça va être vers le 15, aux alentours du 15. Et ensuite, on va reprendre tranquillement Fortnite. J'ai pas mal de petits projets sympathiques. Les Unix Cup vont reprendre aussi. Et puis, ça devrait être cool. Là, j'ai très mal joué. Je suis désolé de vous proposer ça parce qu'en vrai, on aurait dû la gagner celle-là. Ah, je suis vraiment deg. Presque honte de ce gameplay et presque honte de ce dernier kill là pour pouvoir poster la vidéo. Non, c'est bon, on va quand même la mettre. Elle était cool. J'ai bien découvert. Enfin, en gros, c'était découverte du grappin. Très 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 bon ajout pour moi. J'espère qu'on aura le droit à de magnifiques kills avec ce grappin, des trickshots insane. Ça va permettre de récupérer la hauteur. C'est encore une autre façon de récupérer la hauteur, mine de rien. Comme je l'ai fait au dernier moment là. Mais voilà, va falloir bien jouer parce que je commence à ne plus là c'était une catastrophe. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain pour le défi de la semaine, tous les samedis, défi Fortnite. Ce sera un défi un peu différent, un défi un peu particulier, vous verrez demain. Vous verrez ça demain. Sur ce, des bisous, t'es Unix. À demain.